Now you're ready. This is the doom. Don't trust anyone older 30 years. Was ist das? Young, that's so bad. Carry on, hash bash, such a riot. What you gonna do, my son? Chap, chap, world, yeah. Can't get enough. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich heute nach dem besten Grüßen und stärksten Kämpfer auf der Welt. Do it all right, you're just a kid. Fooling around, yeah, to be satisfied. Make it all tight, I am coming there. Down in your spine, what's on you? Cause I'm at your door. Freaking out, oh yeah, I'm the mastermind. Never mind, you never care, leave it behind. What you gonna do, can get away out. Breaking out of your own mind. Feel the ice, your bigger eyes, dinosaur grass. Don't you read me words of mouth, tap, tap, no way. Can't get enough. I'm not talking about the end, you know when it happens. You ask yourself if it's really the end. Piece of shit, fooling around to be sacrificed. Make it all real, I am coming down. Down in your spine, what a beauty, cause I'm a champion. Alright, you're just a kid. Fooling around, yet to be satisfied. Make it all tight, I am coming down. Down in your spine, what a beauty. Cause I'm at your bed. Et bonsoir à tous. Hop, je switch. Bonsoir à la Kinga. Je crois qu'il n'y a pas grand monde ce soir. C'est tant mieux parce qu'en fait, je n'ai pas streamé longtemps. Parce que de 1, je suis fatigué. Et de 2, il faut que je passe à une soirée juste après. Salut Yogi-kun. Yogi-kun, pardon. Ouais. Donc ce soir, c'est du Skyrim. C'est vrai que je voulais en faire depuis le début de la création de ma chaîne. Mais j'avais jamais pris le temps d'en faire parce que tout le monde a roulé dessus. Je pense que la majorité des joueurs de maintenant ont fait Skyrim ou le font encore. C'est un jeu qui ressort, là, il va même peut-être sortir sur Switch, donc tant qu'il n'y a pas un The Elder Scrolls 6, c'est le gros Elder Scrolls, quoi. Ah, et bah du coup j'ai bien envie d'en faire un petit peu ce soir en live, parce que c'est pas hyper intéressant à regarder en let's play, à part si on s'appelle Bob Lennon. Je m'appelle pas Bob Lennon, du coup voilà. Un petit peu de live, ça peut être sympathique. Et donc, on va faire un maximum 2 heures. Pour la raison que j'ai évoqué. De 1, je suis fatigué. De 2, soirée à aller faire. Et c'est à l'autre bout de la ville et j'y vais à pied. Je sais même pas si je vais y aller, en fait. On verra bien. Bon. Combien on est pour ce stream? Oh, on a encore moins que d'habitude. Oh, 5. Alléluia. On n'est pas moins que d'habitude, mais on n'est pas beaucoup non plus. Voilà. Bon, alors, du coup, je vous propose de partir rapidement. Too Famous, ouais. Non, pas du tout. On va partir rapidement. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, mais il faut que je lance le jeu. On va attendre un peu. Je vais déjà lancer le jeu. Alors, j'ai mis quelques modes, mais pas grand-chose. Hein, rien qui dénature trop le jeu. Je crois que j'ai mis un mode d'interface. Oui, bah, Icul, c'est toi qui m'as mis les modes, donc voilà. Hein. I'm alive. Merci pour le follow, Yuki-kun.
Yogi-kun. Alors, oui, réglé sur ultra élevé. Ouais, les modes. J'ai pas mis grand-chose, je me souviens même plus. Alors, du coup, là ça veut dire que c'est bon, je me souviens plus. Ah! Zut, j'avais pas mis le tab, bon, tant pis. Alors, on modifie ça. Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors, il y a la musique qui se lance, vous devez l'entendre en fond. J'ai comme l'impression que ça a fait, juste fait planter. Ah, si, quand même. Nickel. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un nouveau perso. Hein. Ouais, j'ai fait, j'ai lancé à partir de SKSU. Une nouvelle partie? Nouvelle partie. Et les parchemins ont prédit la venue des ailes noires dans le froid, quand la guerre sera de nouveau déclarée. Alduin, le fléau des rois, ancienne ombre libérée, dont la fin dévorante pourrait nous. J'ai toujours bien aimé cette présentation parce que ça fait un peu genre je vais vous présenter un film. Bon, c'est presque vrai. Parce que c'est un film interactif. Salut Green Revenger. Ah oui, t'as mis Skyrim in Color aussi? Je me souviens plus ce que t'as mis. J'ai lancé le truc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Icule sur le chat actuellement, c'est un de mes potes à moi, et son passe-temps préféré, c'est de modder Skyrim. Genre, il joue pas au jeu, je le vois en permanence à ouvrir et fermer Skyrim, parce qu'il met des tonnes et des tonnes de morts et de mods, il bourre son truc. Ça marche jamais, du coup, parce qu'il le bourre trop fort. Et c'est trop 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 drôle, parce qu'en fait, il y joue pas. Il joue pas au jeu, il fait que le modder. Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux? Tout comme nous. C'est trop drôle parce qu'en fait, sur la droite, je vois le jeu en 30 FPS avec le OBS, et sur la gauche, je vois le jeu en 60. Du coup, je vois la différence. Et ceux qui disent qu'on voit pas la différence entre le 30 et 60, lol. Encore le 144 et le 200 Hz, on voit pas trop trop la différence, je trouve, en tout cas si on n'est pas un chaud sur la visée. Mais entre le 144 et le 60 et le 30, c'est le jour et la nuit. Putain, il kill plus de 100 mods une fois. Oh là là. What the fuck? Le jeu est beau quand même, j'ai mis les textures HD et puis Skyrim in Color, c'est un des mods, mais le jeu est quand même vachement beau. Je trouve que l'ambiance de bord de ciel est excellente. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'aime plus les pays nordiques que les pays plus désertiques, type chaud. Et je dois dire que je suis particulièrement, comment dire, sensible à ce genre d'ambiance. C'est vraiment un truc qui me fait gros kiff. En plus, avec l'aspect un peu moyenâgeux, tout ça, c'est vraiment. Je trouve ça vraiment énorme. On a Kingam, petit joueur face à Icule avec 60 mods. pour ceux qui veulent savoir, Skyrim in Color est un mode qui ne change que la saturation et les couleurs. Ouais, mais c'est important la colorimétrie. C'est toujours hyper important et je trouve que ça rend vachement bien. Ouais, bon, après, il y a peut-être mon écran qui change un peu la donne parce qu'il y a le brightness de l'écran, tout ça. Je regarde sur l'écran de droite, par exemple. Mon écran de droite, en fait, est plus adapté pour les films et les vidéos. Tandis que l'écran de gauche est plus adapté pour le jeu. Donc, il est plus éclairé, le gauche, et le droite est plus sombre et en même temps, les couleurs sont moins dénaturées. Donc, c'est un peu. Voilà, c'est différent. Fosso, je préfère la teinte grise de base de Skyrim. Chacun ses goûts. Ouais, mais je trouve que Skyrim en fait a le problème. J'aime beaucoup l'ambiance, mais son problème c'est que je trouvais qu'il manquait de coloration en général. C'est-à-dire que les donjons sont tous les mêmes, un peu gris, tout ça. Il y a vraiment des endroits qui sont très très cool avec de la verdure, des trucs comme ça qui sont énormes. J'adore beaucoup. Et ben, il y a des fois où je me disais putain, ça manque de zones avec des couleurs, avec un petit peu de trucs un peu plus pétardants quoi. Genre des champs ou. Enfin bon, c'est sûr que les champs c'est un peu compliqué, voilà.
Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié. Alors, je sais pas. C'est quoi ce sens-ci? Je voulais mettre les... Oh la vache, cette sensi de... des ténèbres. J'habilité, sensibilité, regarde. Ah, non. Difficulté normale, ouais, on est bon. Jarl de Vendôme. Ouais, c'est pas mal. Cette sensi, c'est bizarre. Voilà. Moi j'ai pas un PC très puissant donc les modes qui rendent le jeu plus beau je peux pas. Ouais mais c'est pas comme il dit Cult derrière, c'est pas un mode qui nécessite de la perf en fait, c'est juste que tu changes la saturation générale des couleurs. Moi je joue toujours avec les dialogues affichés parce que ça me permet de me repérer des fois parce que j'écoute pas forcément ce qui se dit et puis pour vous c'est quand même beaucoup mieux. Si tu peux te permettre Climate of Tamriel et Realistic Lighting Overall si ton PC est moyen. Oh, le mec. Alors, la question, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un aléatoire? Ça peut être très drôle. Dites-moi ce que vous avez envie. Du coup, je connaissais pas Skyrim in Color, merci pour la découverte, bah, tu remercies Raikul. J'ai une 750M quand je modais, ouais, une 750M c'est pas mal. Et mon PC a une... Anakin Gap, il dit que mon PC a une GT 620. GTX? C'est un fixe ou c'est un mobile? Orc. Ils sont tous à demander orc. Orc femme. Bon bah on est parti. Orc femme. Ouais. Donc non. Et oh, orc. Corps. Sexe. Féminin. Qu'est-ce qu'on met? On met à des prédéterminés? Ça te changera les mages. Je fais plus trop de mages maintenant. Ils sont tous très très moches. Enfin bon, je suis... C'est pas trop mon truc quoi. GT 620 fixe mais même pas les GTX. Quoi? C'est horrible. Oh mon dieu. Oh la vache. Moi j'ai une GTX 660. Ça va. Ça passe. Et soon la GTX 1080. TI. Donc, comment, qu'est-ce qu'on fait? On part sur quoi? Avec le visage ravagé? Je sais pas trop. Ah, j'en aurais presque envie de me démanger maintenant. Ouais, le visage ravagé, c'est très bien. Je pense que ça va être pas mal. Tant pis. Un truc moche. Bah oui, c'est moche ça. Ça, c'est particulièrement moche. Genre, on dirait que quelqu'un lui a arraché le visage et a essayé de lui recoller. Et puis en plus, elle a les yeux qui vont vers le haut, c'est très bizarre. Et genre, toujours comme ça. Allez, on va dire que c'est suffisamment moche. Bon, c'est R pour terminer. Donnez un nom à votre personnage. Comment on l'appelle? On peut difficilement dire qu'un orc est bush. Oui, bah. Non, c'est pas la même race, donc forcément, c'est. Tu peux pas. Voilà. Bon, tout ça me dit pas. Qu'est-ce qu'on lui donne comme nom? Je vais quand même pas abuser et mettre mon pendant féminin. Ugrid Tulfu. Oula. Grugnac. Grugnac ou Ugrid Tulfu? Ouais, Ugrid Tulfu, tout ça pour le délire. Merci Green Revenger. J'espère que j'ai bien écrit, j'ai pas vérifié. Vous venez de l'une des forteresses, Orc. Qu'est-ce que vous faites? Je crois que c'est la première fois que je suis un Orc sur ce jeu. Que fait-on? Elle ne figure pas sur la liste. Oubliez la liste. Elle va au bio. À vos ordres. Grognassou. Ah non, j'aurais dû faire ça. Grognassou. Nous que votre cadavre soit renvoyé à Orsinium. Suivez le capitaine. Et on est tous d'accord, hein. On veut un The Elder Scrolls 6 Tamriel.
un truc qui se déroulerait sur le continent entier, ça serait énorme. Genre le plus gros jeu du monde. Avec sombrage, certains ici à Elgen prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son... Et peut-être dans une période où les nains n'ont pas encore disparu. Les douaneurs. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Qu'est-ce que c'est? My little pony, my little pony. Ceux qui ont vu le papy grenier, qui est énorme, c'est mon papy grenier préféré, celui sur Skyrim. Il est énorme, ils ont fait un boulot monstrueux, les blagues sont hilarantes. Ce qui m'a tué, c'est le cheval. Oh putain, j'en rigole encore. Allez, je n'ai pas toute la journée. Le MMO l'a fait, donc c'est mort, je pense. Ouais, mais le problème, c'est que le MMO, je l'ai essayé aussi, il est un peu mou du genou, et c'est pas pareil qu'un Skyrim. Enfin, tu sens la différence quand même. Je préfère qu'ils fassent bien Black Smash, la Marche Nord par exemple. Ouais, bah c'est sûr que s'ils font une région d'un coup, c'est toujours bien. Mais je veux dire, vu la puissance de nos ordinateurs de maintenant, enfin ça c'est sorti en 2011. J'ai envie de dire, maintenant, il y a les cartes, on voit les cartes de, comment ça s'appelle, de Zelda, celles de The Witcher 3, elles sont énormes, elles sont monstrueuses. Tu pourrais faire des trucs incroyables avec la puissance de calcul actuelle, moyen. Les Dwemer, on est sûr que c'est des nains? Oui, c'est les géants qui ont donné ce nom aux Dwemer, il me semble. Ouais, je crois. Alors, on m'a toujours dit que c'était des nains. Bon, on peut appeler ça des Dwemer, mais pour moi, c'est des nains. Enfin, on peut appeler ça des... Ça s'appelle les Dwemer, mais bon, ça peut être des nains aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sentinelle, que voyez-vous? Que voyez-vous? Un dragon dans le ciel. Il est dans les nuages, non, il est juste au-dessus. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait tomber des météores et tout, là, tout de suite. Genre... Rends-moi la main. Merci. Le bon tuto de merde. Qu'est-ce qu'on fait cela? Les légendes auraient-elles dit vrai? Les légendes n'incendient pas des villages entiers. Alors là, on va arriver, il va détruire le truc. Hop, t'es mort. Il est obligé de... Putain, j'ai pris des feux, des flammes. Il est obligé d'utiliser le Torchul quand il fait ça. Coucou le gamin. Les bons gamins des jeux Bethesda. C'est les immortels. Il doit y avoir des modes pour pouvoir les buter. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. Gunnar, occupez-vous du garçon. Je dois trouver le général Tullius et rejoindre les défenses. Que les dieux vous guident, Atfar. Hop. Restez près du mur. J'ai oublié que là c'était le suicide assuré. C'est vrai que je peux courir. Mais oh, je me suis pris quoi là? Je suis allé trop loin de Ralaf, c'est ça? Je me casse. Comment fait-il pour se déplacer si vite? Bah, je sprint, j'ai appuyé sur Alt. Alors, Kiki. L'un ou l'autre, c'est Sombrage ou Impériaux? Oh putain le choix. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Sombrage, Impériaux, Sombrage, Impériaux, Sombrage, Impériaux. Faut que je me décide vite. Pas les jupettes. Ah, il faut vous décider là. En train de se faire becter, gentiment. Coucou. J'ai pas d'idée. Putain, décidez-vous, vous êtes trois à parler sur le chat, y'en a deux, y'en a un qui me dit neutre et les deux autres qui me disent l'inverse. Enfin. Bon, allez, Impériaux, tant pis. Ça change rien, de toute façon. Quasiment rien. J'aime rien du tout. On dirait que nous sommes les seuls à en être sortis. Trop tard, j'ai pris les Impériaux. Un
héros de la fin des temps. Ça change rien si je me souviens bien. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces. Bonsoir Marcel, Marcel Montfort. Nous y voilà. Regardez autour de vous. L'équipement ne manque pas ici. Je vais essayer de trouver quelque chose. Alors, pingre que je suis. Voilà. Combat à l'aide d'unités différentes. On lit les bouquins toujours. Vous feriez important. Mieux vous bide, putain, évidemment. Ah, casque impérial léger, de l'or. C'est quand même bien pratique ça. Quand même beaucoup mieux que l'interface de merde pensée pour. Pensée pour console. Non mais non. Mettre en favori. Vous feriez mieux de mettre cette armure. Faites aussi quelques moulinets avec. C'est juste que tu vas pouvoir récupérer plein de trucs pour forger. Cette chose est encore là. Ah mais il y a une autre arme. Il y a le Wedling tout de suite. Il reste. Ah mais. Ok, il y a une épée de fer. Du 20 le tour. Oh. À la limite, au début, on peut tout prendre, on s'en fout. Venez, par ici. C'est juste que tu vas pouvoir récupérer plein de trucs pour forger. C'est moi, Imperio, Sombrage, on est raciste. Toi, j'ai une orque. Bienvenue chez nous. Tu vois, aucun sens. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Des sombrages. Peut-être qu'il sera possible de négocier avec eux. Ah. Oui, je vais vachement négocier. Ta gueule! Je vais essayer d'ouvrir. Espadon ou on fait en dual wielding? C'est sympa le dual wielding. On peut pas prendre. Ah si, on peut prendre des balais quand même. On peut se battre avec un balai? Allez! Si on peut se battre avec un balai, moi je me bats au balai. Hein. Putain de merde, on peut pas se battre avec les balais. Ah non, mais quoi? Sérieux? C'est... Bon bah on va lâcher le balai. Des choux. Il n'y avait pas d'autres trucs. Tu sais que d'habitude il y a d'autres trucs. Non, il n'y avait rien. Faut des mods pour le balai. En gros les sombrages j'aime que les nordiques, oui. Donc voilà. Négociation musclée, Palmé à Midala. Ouais, c'est ça. Je suis putain de Palmé. Talon, talon. Talon. Ce dragon n'abandonne jamais. Talon, 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 talon. Il faut qu'il t'aille gagner vite. Ces impériaux, ils gardent les potions. Ah. Je me suis chié dessus. Quoi? Me mets pas des coups d'espadon dans la gueule, mon cochon. Toi non plus. Ligard faible. Oui bah je t'ai déconcé la gueule. Je YOLO hein. Oh une hache d'armes. Allez voir si vous trouvez des. Ça pourrait nous servir. Si je me souviens bien, il y a 2-3 trucs à aller chercher un peu par ici. Bah déjà oui. Des potions, potions de mana, potions de vigueur minime. Je crois qu'il y avait des trucs là-haut. Non, c'était juste des paniers. Ouais. Mieux vaut être ici que là-bas. Non, je voulais te le mettre sur la figure. Bon, tant pis. Bon, on va laisser les espadons derrière. Je suis un peu tristesse, mais en même temps, j'aime bien le duel wielding. Du coup, voilà. Qui me vient mieux pour des combats au balai, ouais. Faudra qu'ils me mettent ça, parce que franchement, les combats au balai, ça doit être trop drôle. Coucou MC Maximum. Je suis discret. Alors, on peut pas s'entraîner avec... Oh ! Ah mais je peux m'entraîner au... Ok ! Une seconde, on dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage.
Voilà. Essayez de l'ouvrir avec. Crochet, on a besoin de tout ce qu'on peut trouver. Tout ce crochet. Alors, livre de l'enfant dragon, gna. Ouvrez et allons-y. Havre sac, il y a des crochets. Là-dedans, il y a quoi? Il y a un bouclier ou une masse. Ça tape plus fort la masse? Ça tape plus fort la masse. Hop, on va aller là-dedans. Masse. Je vais pas oublier d'utiliser un petit peu la magie, c'est toujours important, au moins de faire de la guérison. Alors le crochetage à la souris, c'est quand même le petit désavantage, c'est le fait qu'on n'ait pas la vibration. Hop, la magie on s'en fout, enfin en tout cas le truc de mage on s'en fout, je partirai pas sur un mage, en tout cas pas tout de suite. Non, pas du tout, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, c'était ça. Mage un jour, mage toujours, oui, c'est vrai. Là je crois qu'il y a un peu d'or là-dedans. Je connais tellement ce début par cœur. Non, pas du tout. En fait, il n'y avait pas du tout d'or. Là, il n'y avait rien. Allez, à la limite, je peux train un petit peu le crochetage. Ça ne perd rien. Yep. Coucou, coucou. Ah oui, c'est vrai que là, il y a encore plein de trucs pour s'entraîner. Oh putain. Ah putain, il m'a mis ça. Je te déteste, Icule. Je te déteste. Je vais essayer de pas me rater sur mes crochetages, sinon ça va vite me saouler. Je vous déteste tous, arrêtez de vous moquer. Et pas un arc qui traînait quelque part? S'il y a un ours derrière. Ah non, c'est vrai que c'est après. Censé aller, où est la sortie? Ces impériaux y gardent des potions. Nous allons en avoir besoin. Je pouvais pas récupérer un arc avant parce que si on arrive à cette zone, il y a moyen que je. Bon, d'accord. Tant pis. Ta gueule. Voilà. Putain, mais je suis pas visé. Ah oui, un truc aussi ici, ils font un The Elder Scrolls 6. Des combats un peu mieux. J'ai toujours trouvé les combats vraiment chiants dans ce jeu. Tous, je vous déteste tous. Alors un arc long. J'ai pas de gantelet. Moi je mets des gantelets. Ah, je crois que la hache en fer est légèrement plus forte que mon épée en fer. Hop, je vais fave. Sinon il est possible de se battre avec des casseroles. Oh. Oh, oh, je veux me battre avec du Nesrel. T'as combien d'heures sur le jeu? 43? Tant que ça? Ok. Voyons cela même. D'ailleurs, je l'ai pas poncé, j'ai jamais fait la quête principale jusqu'au bout. Généralement, c'est par période. Des périodes où je me fais 7-8 heures et puis après j'arrête. Le problème, c'est que c'est un jeu, généralement, quand... enfin, j'ai mis longtemps avant de l'avoir, et généralement, j'allais chez un pote, je le regardais jouer, parce qu'on avait tous ce pote qu'on allait chez lequel on va voir, regarder, chez lequel on va le regarder jouer, enfin, on avait tous ça, le type qui avait genre une PS3 ou une PS4, et que toi t'as pas, du coup tu le regardais jouer, il te laissait jamais jouer, il te disait « Attends, je vais te montrer !» Ah là là, c'était le bon temps. Voilà, donc je l'ai pas poncé du tout. Mais disons que je connais les bails, quoi. Je connais clairement les bails. Un retour ici.
Ah oui, bah oui, c'est là. En l'occurrence, c'est pas tes toi. Et il y a un autre. J'en ai plus de 3 sœurs en comptant console et PC. J'en ai plus de 200 sur PC. Moi, 200 sur CC et 500 sur console. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie. Dit celui qui vient de passer diamant sur Overwatch. En tryhardant comme un taré. D'ailleurs, le lendemain, j'étais malade. Parce que j'ai pas réussi à dormir de la nuit tellement j'étais excité. Et j'étais mais mal. Oh, j'ai cru que j'allais décéder. Plusieurs fois. Allez, les bonnes araignées de mes couilles. Tuez. Ah, te mets pas devant, mon cochon, hein. Merci. Merci pour le remède. Oula! J'ai pas de magie? Ah si, quand même! On va mettre ça, on va mettre ça. Coucou! Ah d'accord, oui, c'était, il était en... ok. Toujours plus. Ah, mais il y avait quelqu'un là. Et puis quoi encore? Des serpents géants. Il y a des serpents géants dans le jeu? Je crois pas, je suis jamais tombé dessus. Je suis le seul à ne pas jouer à Overwatch. Non, vous êtes plein à ne pas jouer à Overwatch. Moi j'aime beaucoup. Ça fait très très longtemps que j'ai pas joué à un jeu de manière continue comme ça, aussi longtemps. Et c'est les jeux Blizzard, ils font toujours cet effet. La dernière fois c'était avec World of Warcraft et ça a duré pas mal de temps aussi, même si je l'ai joué un petit peu en casu, je l'ai joué à moitié en mode sérieux, hein. C'est-à-dire que bon... Vous le voyez ? Prenez deux mois, j'arrêtais, je reprenais deux mois, j'arrêtais, machin. Nous pourrions peut-être passer discrètement. Allez-y tout doucement. Mais Overwatch, je trouve vraiment cool. Hein. Si vous vous sentez en veine, vous pouvez aussi prendre cet arc. Ouah ! Goodbye. Mais t'as mis quoi sur ce... Putain ! Mais putain ! C'est quoi ces modes ? Faudrait que je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'il a foutu ? J'ai pas d'argent. Il coûte pas si cher le jeu. En plus, il va bientôt être en promo, je suis sûr. Il va tomber à 20€. 20€, si vous avez des potes qui y jouent, c'est vraiment énorme. Je dois vous avouer que si vous êtes plein, c'est pas un jeu où je joue tout seul parce que sinon je rage beaucoup trop fort. Déjà que j'ai tendance à rager en ce moment parce qu'il y a des cons qui jouent. Je joue au moins à deux. Autotune Beers. Mais c'est quoi? Pourquoi Autotune Beers? Juste que j'ai pas d'argent et que mon PC pourrait pas le supporter. Tu sais que Overwatch, je le fais tourner sur un i3 sur un PC portable sans carte graphique, donc avec une telle Graphics Family, etc. Là, il tourne sur 660, il tourne à 160 FPS. Hein. Donc franchement, Overwatch, il tourne sur un grip. Mais inutile de s'attarder ici pour vérifier. La ville la plus proche est Rivebois. Mon oncle est le forgeron. Il vous aidera. Il faudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide. Oui. Mais du coup, on doit toujours s'adresser à Alvor, à Rivebois, qu'on prenne le sombrage ou pas. Donc en fait, c'est toujours son oncle, non? Ça dépend quel grippe, hein. Ouais, bon, la majorité des grippes, hein, quand même. Hein. La petite récolte. Je sais jamais pourquoi je récolte, parce que je fais jamais de potions. Du coup, bah... Eh, hey, le jeu est quand même vachement beau, hein. Ah là 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 là. C'est quand même vachement cool.
Ça m'a l'air d'être des gentils tout ça. Ah non, pas du tout. Le pire trou du cul du monde. Ah non, c'était un copain. Reviens là. Ok, bon, c'était pas des gentils. Ah, une carte trésor. Ah non, si je prends Ralof, c'est Gerdur. Ah oui, c'est vrai, c'est Gerdur, c'est pas Alvor. Donc là, il y a quoi? Robe de mage noire, je m'en fous. Sacoche. Crochet de l'argent. De l'argent, toujours de l'argent. Toujours prendre l'argent, c'est bien l'argent. Hop! Montation jusqu'à 24. Et des cadavres. Ouais. Ah, c'est de l'armure lourde. Je vais dire que c'est de l'armure légère, mais non, c'est de l'armure lourde. Ah oui, j'ai oublié d'équiper un truc. Voilà. On cherche des mode crabes aussi. On sait jamais. C'est quoi les histoires de mode crabes? C'est les crabes des vases. Est-ce que c'est si important que ça? D'ailleurs, je suis là pour chill, hein, je suis pas là pour tryhard le jeu non plus. Hein. Déjà. Bah, je dis ça, mais là, je vais quand même. Non. C'est vrai que c'est inversé. Voilà. Bah ok, dans 3 jours c'est mon anniv, je le prendrai peut-être. Ouais non mais je vous oblige pas à prendre le jeu, bien sûr, mais je trouve qu'il est très bien. Il est très sympathique si vous êtes à plusieurs. Par contre si vous êtes tout seul c'est un peu moins sympathique pour le coup. Eh hey, guerrier, mage ou fufu? Fufu. Quelqu'un. Alors, va falloir m'expliquer par quoi je suis détecté là quand même. Oh, je suis détecté par des poissons. Si mon pote est sur PS4 et moi sur PC, on peut quand même jouer ensemble. Non, vous pouvez pas. Les serveurs sont différés. Et heureusement, parce que vous avez quand même un très très grand avantage à la souris par rapport à un contrôleur PS. Hein. Bon, t'as... Putain de merde, arrête de bouger. Dans l'œil, je t'ai mis la flèche dans l'œil. Regarde, t'as encore la flèche dans l'œil. Alors par contre... Mais merde! Bon, hein... Vous avez rien vu? S'il vous plaît. Vous avez rien vu du tout. Oula! Un autre fufu minime. Pas mal ça. Défense de Orker, on sent un balek. Arquelon, c'est le même. Chigo de chèvre, boif. Pas de lapin cul, boif. Ah, des peaux d'ours. Je me souviens, il y a une subquest peinarde un peu plus loin dans le jeu où il faut récupérer 10 peaux d'ours et généralement j'oublie toujours de la faire parce que je revends les peaux d'ours comme un con. Une canne à pêche. On peut prendre la canne à pêche ou non? On peut pas prendre les cannes à pêche. C'est ballot parce qu'ils ont fait le modèle mais on peut pas les prendre. Je pense qu'il doit y avoir des mods pour régler le problème. Pour pouvoir pêcher et tout. Qui est pour qui bute quelques modes crabes, moi? Bon, on va aller... On va aller taper quelques modes crabes, si vous voulez. Je vois pas trop l'intérêt, parce que bon, c'est des ennemis un peu... Voilà. Du coup, il y en a à avoir quelque part par là. Ah, c'est beau, on dirait le Canada. Le lac du Canada, c'est vraiment cool. C'est bourré de sangsues, mais c'est vraiment cool. En été.
Il peut y en avoir par ici. Il y a une carte au trésor, je me souviens, j'ai pris une carte au trésor, autant que je la regarde, c'est pas mal. Ça va être là. Carte au trésor. Elle est... Ok, donc ça c'est Rivebois. Ouais d'accord, donc c'est totalement pas là où c'est. Ça c'est de l'argile. La carte est... Putain. Mais tu sais tout sur ce... Ah! Pas prévu les loups. Trop des fiottes. Non mais pas ça, je voulais pas prendre ça, c'était ça plutôt. Pour la peau de loup, ça se revend pas du tout, mais c'est pas grave, ça m'offre... j'en ferai des lanières. Les maîtres crabes, il y en a vers Blanche Rive. Ah ouais, mais je suis pas du tout vers Blanche Rive. Bon, je vais me balader un peu du coup. Hein. M'excuser. Ah oui, un autre truc qu'il devrait faire, je pense, dans... Oh, la Nine Route, c'est cool. Un truc qu'il devrait faire dans le prochain Elder Scrolls, c'est faire en sorte que les... l'eau soit un peu plus exploitée. On pourrait faire des trucs vraiment géniaux avec l'eau. Mais c'est compliqué. Un petit pêcheur. Ah, je chasse et je pêche par ici. Braconne, mais ça fait de mal à personne. Le Jarl ne peut tout de même pas engloutir tous les cerfs de la région. Tu suis, il peut. Alors, je peux rien voler à la tire, mais je suis sûr que c'est le but. Non mais il n'y avait rien. Je suis en train de buter la moitié de la population de Tamriel, mais c'est pas grave. Plutôt de bord de ciel, parce que je peux pas me balader en tout Tamriel. Ah, il faudrait que j'équipe le bousin aussi. On va lire le bouquin. Zut, je sais plus si on peut le lire directement. Ça servait à rien. Oh, si on collectionnait, tiens. Non, bah non, j'ai pas commencé le truc. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Ah oui, c'était ça. Eh oh. Bon, le collier d'argent, il sert à rien, je vais le revendre plus tard. Il est pas enchanté. Alors j'enchanterai. Je m'en servirai pour l'enchantement. Eh ben, là, des abeilles. Cool. Ça doit servir à quelque chose pour les popos, mais... Ce que j'aime bien, c'est qu'ils les attrapent comme ça, les abeilles. Hein. Genre, rien à foutre. Ah, c'est quand même vachement bucolique comme endroit, hein. C'est quand même très très bucolique et j'apprécie beaucoup. Tiens, on va ranger les armes, c'est quand même plus joli. Il y a un cerf là-bas. Alors, il y a un mec qui est là. Il y a même plein de mecs qui sont là. Salut. L'accès à cet endroit est interdit. Vous vous ingérez dans les affaires impériales. Oui. Vous allez devoir vous acquitter d'une amende de, disons, 100 pièces d'or. Payez. Ah. Bon. Vous n'avez pas d'argent. Je suis juste en train de me noyer. Vous auriez dû suivre votre carte. Alors, vous m'expliquez ce qu'ils font là? Et ils se jettent sur les cerfs, mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Mais what the fuck? Les types, ils sont équipés, ils sont blindés, ils sont plein de meilleurs. Oh, je me casse, c'est débile. Ils m'agressent, pourquoi? Je sais pas pourquoi ils m'agressent. Ils me tirent dessus, en plus. Mais what the fuck? What the actual fuck? Attends, le cerf n'a pas payé, c'est ça. C'est le cerf qui a pas payé.
Oh là 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 là, mais les... apprenez à vous détendre les gens. Oui, donc je disais à propos de la flotte, oui j'ai des DLC. La flotte, en fait, je voudrais qu'elle soit un peu plus explorée dans le terme de gameplay, pas en termes visuels. En visuel, elle est bien, elle est passable, elle est de 2011 quoi. Non, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait des trucs à faire avec la flotte quoi. Genre des bateaux, des combats marins, enfin, ça pourrait être vraiment énorme. Mais non. Pour l'instant, ils n'ont pas fait. Bon, après, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est toujours ce qui concerne les fluides ou les trucs qui sont non fixes dans les jeux, généralement, c'est toujours la merde. Il y a des trucs que j'ai jamais vus dans Skyrim et que je découvre là. Moi, je me balade. Hein. Là où il y a le tertre. Ah, évidemment, je n'ai rien pour miner. Et que je passe à la mine aussi, récupérer de quoi. Elle est où la mine? Elle est par là-bas. Récupérer de quoi miner. C'est des bandits qui ont tué des impériaux et qui sont passés pour eux. Ah, d'accord. Pour les combats marins, go Black Flag. Oui, mais Black Flag, je veux dire, le truc, c'est le... Cabane d'analyse. Bonjour. Je ne suis qu'une pauvre vieille femme. Ne vous embêtez pas pour moi. T'inquiète, je vais pas m'embêter pour toi. Nice. Hop, alchimie. On bute la vieille ou on bute pas la vieille? Bonne soirée, cul. Ah, des bandes de cuir, c'est cool. Charbon de bois, je peux ça me sert, une shop, une tunique de verre de garçon. Pourquoi elle a une tunique de verre? Il y a une trappe à côté de son lit. Ah! Oh, alchimiste! C'était donc une alchimiste. En même temps, vu ce qu'il y avait chez... Ah merde! Vu ce qu'il y avait chez elle, ça m'étonne pas trop. Hop, objet, je vais virer ce putain de... Livre abîmé, j'en avais deux même. Laboratoire alchimie, un hôtel d'enchantement. La Trenanise, qu'est-ce qu'elle dit dessus? Ma chère Elgi, pourquoi hésiter? Tu peux sentir la puissance battre dans ton sang. Il te suffit d'aller la chercher et de la saisir. Renonce à ce garçon et viens. Viens vivre avec moi dans la forêt. Ma sœur sera bientôt là et ensemble, nous pourrons faire un plan à trois. Quoi? Non, c'est pas ça. Nous pourrons former une vraie assemblée et commencer réellement ta formation. Formation de succube. Dit celui avec l'esprit mal placé. On bute la vieille. Allez, on va buter la vieille. Ça part tellement aux couilles. Carotte. On va buter la vieille. Et d'abord, on finit de voler le truc. Soupe de légumes. Mais non, je peux pas voler la soupe de légumes, ça sert à rien. Blé, je crois que j'en ai besoin. Alors, vous savez quoi? On va sauvegarder un petit coup. On peut déjà quick save. Commande. F5. Ah! Personne ne pourra connaître mon secret. Venez donc. Bon, voilà. En fait, je devais la buter dans tous les cas. Oui, mais je me souviens jamais du truc sauvegarde rapide. Voilà. Quick save. Oui, le cri était très viril, je suis d'accord. C'est ma virilité extrême. Surtout quand je suis fatigué.
Ça fait des gueules faciles la robe. Ouais bon tant pis, elle est loin. On va passer à la mine déjà. Et au-dessus. De toute façon, l'argent en jeu, je trouve que c'est pas ce qui manque, et puis sinon, tu voles le truc. Dictée. Ah, y'a un putain de loup. Y'a même plusieurs loups. Voilà. Est-ce que je pense faire un jeu d'horreur sur ma chaîne un jour? Si je reach les... Enfin, si j'atteins les 100 000 abonnés, oui. Comme ça arrivera pas, je suis plutôt tranquille. Et heureusement, parce que je suis une putain de lopette. En tout cas, pour ce qui est des jeux d'horreur. Hein. C'est par là. C'est pas l'endroit où j'accède. Ah putain, il m'a vu. Allez, coucou. Vous auriez dû suivre votre camarade. Attends, qu'on lui offre un jeu d'horreur. Ah, si vous voulez, hein, ça m'empêchera pas que si vous me l'offrez que j'ai pas atteint les 100 000 abos, bah j'y jouerai pas. Vous pouvez pas m'obliger. À moins de me kidnapper et tout ça, mais là, ça sera un peu glauque. Il ne reste plus qu'à créer 100 000 comptes. Bonne chance, parce que c'est long. Ou alors vous achetez 100 000 bots sur... Il y a plein de sites disponibles pour acheter des comptes, des follow YouTube, des follow machin. Ah, je la connais par cœur, cette... Eh non, activer, fin pour vous. Alors ce que j'aime bien, c'est que derrière, il y a quand même... Il y a quand même des gens, mais ça les réveille jamais. Enfin, ça, ils se disent, oh bah tiens, le piège s'est déclenché. Mais c'est rien passé en fait. Enfin, on va pas aller voir. Quel bande de trucs, on se forcera à jouer. Oui, je suis plutôt d'accord. T'as une flèche dans la tête. Toi aussi. En fait, courir avec une flèche dans la tête, ça doit pas être simple. Hein. Je sais pas où. Moi, ça me fait pas trop, ça me ferait pas trop kiffer. Après, j'avais vu une histoire d'un type qui s'était rendu compte au bout d'une demi-journée. C'était un type qui en fait était en... Qui était mineur. Au 19e ou au 20e siècle, je sais plus. Qui a eu lors d'une explosion, parce que vous savez, ils mettent des barres à mine et il faut exploser en fait la roche en la fissurant à certains endroits bien précis à l'aide d'explosifs. Donc, il était mineur et il y a eu une explosion et s'était pas rendu compte qu'il y avait une barre à mine qui était passée au travers de son crâne et qui s'était logée et qui avait transpercé le crâne quoi. Il était encore en vie, il marchait, peinard, tout ça. Bon, après, il paraît qu'il avait de très gros troubles psychologiques et il est mort dans les 6 mois qui ont suivi. Mais il avait une barre à mine fichée dans le crâne, quoi. Plutôt badass. Sur un site, il nous faudra 45 000 euros. Sinon, tu me les files, hein, ça marche bien aussi. 4500, qu'est-ce que je lis. Mais vous voulez me le filer aussi, c'est cool. C'est vrai que je peux le faire à la mano, mais bon, ça me permet de me gratter la barbe. Voilà, je me gratte la barbe en attendant. Comme ça, on pourra faire un petit peu de forge. Rien. Pédale. Ah ah, qui a allumé la lumière? Qu'est-ce que c'était que ça? Oh mais putain! Oh le delay de mes couilles! Un million d'abonnés, c'est un peu beaucoup. Oui.
C'est bien, c'est que j'ai quand même tué en tapant sur le bouclier quand même. Après, ce qu'il faudrait dans le prochain Elder Scrolls aussi, c'est des armes un peu plus diversifiées. On pourrait faire des trucs vraiment cool. Plus, il y avait des... Je crois qu'il y avait quelques filons qui traînaient par là. Livre de sort clairvoyance, on va aller chercher le bouquin, on va... Je trouve qu'une lance manque d'enjeu. Ouais, une lance, ça serait pas mal. Ou alors on fait... Coucou. Ça me fait beaucoup rire. Ouais, des lances, ça pourrait être mal. On pourrait faire tout un bordel d'ailleurs, en fait, dans... Je suis même sûr que ça doit exister avec des mods où on met toute la panoplie d'armes des jeux Monster Hunter dans Skyrim, ça doit être énorme. Et qu'il refasse l'IP, quoi. Et qu'on puisse créer ses propres armes. Ses propres armes, on doit pouvoir les créer à l'aide du truc pour pouvoir modder un peu le bordel. Ah, qu'il refasse l'IA. IA, d'accord. Ouais, l'IA, il faudrait peut-être qu'il la refasse un peu. Après, c'est dur dans un monde ouvert de gérer une IA. Franchement, ça doit être vraiment un des trucs les plus compliqués qui existent dans les jeux vidéo. J'ai des cours d'IA. Bon, je les ai pas encore commencés, mais j'en aurai cette année. D'ailleurs, je vais les commencer dans une ou deux semaines, je crois, je sais plus. Et ça va être un bon gros cancer de sa mère, parce que c'est vraiment compliqué. J'ai eu un faux espoir quand j'ai vu le trailer Dragonborn avec les Riklings et lance qui lance des lances. Ouais. On mine. C'est vrai qu'on pourrait mettre vraiment des panoplies d'armes énormes. Des trucs. Je sais plus s'il y a des points américains. Du griffe à la Wolverine. Ah oui, Logan, c'était cool. Ah, je sais pas si vous avez vu, il y a le trailer de comment ça s'appelle? Merde. Justice League est sorti, le vrai trailer qui est sorti. Et je dois avouer, ça envoie pas mal du pâté. Moi, je suis plus Marvel que DC, mais ça a l'air pas mal aussi. Bon, après, je veux dire, Suicide Squad avait l'air pas mal sur les trailers, on a vu ce que ça a donné. Hein. Pouah, c'était... Voilà. Bah, par contre, Batman vs Superman, moi, j'ai trouvé qu'il était très bien. Il y a beaucoup de gens qui l'ont chié dessus. Moi, j'ai trouvé qu'il était très bien. Il avait des défauts, c'est clair, mais c'est pas le pire film de l'année. Loin de là. Et bim! La petite anticipation. Ah, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut se dire aussi que c'est un peu au Moyen-Âge, donc entre autres choses, je suppose. Certes, c'est pas le même monde, mais bon. C'est vrai qu'il faut se dire aussi ça, c'est que il faut garder un aspect Moyen-Âge. Mais il pourrait y avoir des armes un peu plus fantaisistes que juste de la magie. On pourrait des trucs qui couplent la magie au lieu d'avoir juste de l'enchantement. Des trucs qui couplent un petit peu avec de la magie. Oh putain de merde. C'est moi, coucou. Elle est sur le sol, elle fait « Ah ah !» Après, il y a eu aussi un très très gros travail, je trouve, sur les voix de ce jeu. C'est assez hallucinant.
faire en sorte qu'il n'y ait pas toujours les mêmes voix. Bon, au bout de 50 heures d'affilée, bah, effectivement, tu finis par ressentir un peu les mêmes voix, mais je trouve qu'ils ont réussi à faire en sorte qu'on n'entende pas toujours les mêmes voix. Ça, c'est assez foufou, surtout qu'ils ont fait dans plein de langues. La localisation, ça devait être quelque chose de compliqué. Il faut louper zéro ligne, il faut faire les dialogues. Bah. Après, la plupart des acteurs savent. Des voice actors savent moduler leur voix. Donc bon. On peut faire plusieurs voix avec un seul acteur. Arc de chasse, est-ce que c'est pas mieux? Pas du tout. Que je sais pas. Mets ton level, augmente ton level. Mais non, pas tout de suite, pas tout de suite. Il faut que tu sois dans la panade pour augmenter ton level. Ah si, c'est quand même mieux. On va ajouter les trucs. Le level, moi, j'augmente toujours quand je suis au bord de la mort. Comme ça, ça fait un reset de la vie, tout ça. Je mets un plus de la vie. Ça a rien de RP, c'est clair. Mais au moins, tu sors de la mort, quoi. T'évites les petits soucis. Petits soucis du genre létal. Après, c'est vrai que tu passes longtemps, très longtemps au niveau 1. Moi, une fois, j'ai réussi à monter au niveau 12 comme ça, directement. C'était un peu long. Corindon. La thune, toujours plus d'argent. Du pain. Là-bas, il y a un coffre, si je me souviens bien. Déjà, il y a du fer et il y a un coffre. Alors, le coffre... Ah! Il y a ici les comment ça s'appelle, les affiches de Spider-Man Homecoming qui ont été dévoilées. Ça, c'est cool. Parce qu'elles ont l'air très chill, ça fait très teen movie. Du coup, c'est une nouvelle ambiance de plus à rajouter au MCU. Après, on va bientôt avoir le retour du... Le retour des Gardiens de la Galaxie. Dans la grotte, au début, je faisais que taper sur la ligne de départ et je suis monté level 23. C'était super long. Ouais, il y a des trucs comme ça. Tu peux monter, je sais plus ce que tu peux monter. Tu peux monter une main. Tu peux monter deux mains si tu récupères le truc. Je sais plus. Ouais, tu peux monter vraiment beaucoup de trucs jusqu'au level 100. Mais il faut avoir de la patience. Et j'ai beau être un farmer chinois dans l'âme, bah, j'ai pas trop envie de faire ça en live. J'aimerais trop un Sport 2, c'est vraiment un jeu que j'aimerais beaucoup. Bah tu sais que la majorité des gens qui suivent ma chaîne, bah ils voudraient aussi beaucoup un Sport 2. Et moi y compris, j'aimerais vraiment beaucoup un Sport 2. Après aussi, je pense que ça doit se modder évidemment. Ce qui manque à ce jeu, c'est de la végétation au sol. Ça fait très mat. Mais après c'est les textures, tout ça, et puis... C'est sorti en 2011 et ça devait tourner sur un ordi de 2011. Maintenant, la puissance, comme c'est exponentielle, tu peux afficher des trucs beaucoup plus jolis avec plein de textures en relief sans pour autant faire cramer ton PC. Donc bon. C'est vrai que pour l'époque, c'était quand même joli. Je vais chercher le... Il y avait un truc, ma carte au trésor, elle me disait qu'il y avait un truc là-bas. Le meilleur c'est le sneak car tu peux AFK. Quoi ? Quoi ? Alors attendez, où est-ce que c'était ? C'est au moment de la séparation en deux bras. Donc par là. Ah ah ! Yay !
Une couronne, un lingot d'acier. Mais histoire très courte surtout, très courte. J'ai l'impression qu'il y a un loup dans le coin. Qu'est-ce qui est très court, l'histoire du jeu ? Il y a tellement de plein d'histoires que bon... Finalement c'est pas si court. Ah ok. Ah ! Putain ! Je voulais t'attraper ! Ah. Ah, sport et court. Oui, sport, effectivement, c'est court et tu passes plein de temps sur la phase espace pour pas grand chose qui est assez répétitive. Malheureusement. Mais ça reste un bon jeu. Perche enchantée. Non, pourquoi j'ai pris une perche enchantée ? C'est pas ça que je voulais, tant pis. C'est vrai que sport est très court, mais je pense que maintenant tu pourrais faire tellement de modes de jeu différents avec tellement des possibilités différentes. Il y a des gens qui sont tellement créatifs, et je dis beaucoup le mot tellement. Je dis tellement le mot tellement. Attention à ce que vous faites. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a toi ? Tu me dis que je dois faire attention à ce que je fais ? Allez, je te teabag. Kendall pense qu'il peut me dérober Camilla Valerius. Je n'arrête pas de lui répéter qu'elle est déjà mienne. Elle est mienne. Elle est mienne. On va aller... Genre être un ogre pour le lol. tu peux le faire si je me souviens... Ah non, tu peux créer des ogres. Bonjour. Tous les jours qu'on a des visites à Rivebois. La famille de Gerdur est arrivée ici il y a plusieurs générations pour exploiter le bois. Od et elles font tourner la scierie. Moi, je gagne ma vie honnêtement en aiguisant des haches et en entretenant les lames. Ok. Si vous savez vous en servir, la meule permet d'am... Si vous avez les matières premières requises... Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe ? Que faites-vous ici tous les deux ? Alors, il dit pas les mots dans le bon ordre, c'est pas grave. Donc il me file des trucs. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? De l'hydroning ? Un lingot de fer. Des pompons de soins. Un anneau. C'est gentil. Un dragon a attaqué Elgen et l'a détruite. Advar et moi avons réussi à fuir ensemble. Quoi ? Un dragon ? À Elgen ? Ça explique ce que j'ai vu. Il volait dans la vallée depuis le sud. J'espérais que mes yeux m'avaient joué un tour. J'ai une question du coup. Pour ceux qui ont fait les Elder Scrolls 1, 2, 3, 4, si vous avez... si vous étiez assez déterminés, il y a des dragons dans les autres jeux ? Ou il y en a que dans celui-là ? Parce qu'ils sont vachement mis en avant, mais d'après ce que j'ai compris, il n'y en avait pas avant, ou en tout cas, ils étaient tous morts. Un dragon. Ici, en bord de ciel. Mais où va ce monde ? D'abord la guerre, maintenant des dragons. Et on dit jamais 203. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rivebois est sans défense. Nous devons demander au Jarl Balgruf de Blancherive d'envoyer autant de soldats que possible. Si vous pouviez vous en charger, je vous en serais reconnaissant. D'accord. C'est bon. Qu'est-ce que je voulais faire sinon ? Alors oui, je vais lire un petit peu le chat. Oh, sinon, faudrait que ce soit la communauté qui va se créer un sport de... Ah oui, mais non, mais... Le truc, c'est que sport, ça pourrait être des fans qui pourraient le faire, comme tu dis. Le problème, c'est que c'est tellement un jeu qui a des gameplays différents... que t'es obligé d'être novateur dans le sens où il va falloir développer tes propres outils de jeu. Donc tu peux pas te baser sur des moteurs existants qui te permettent de faire rapidement des RTS, des FPS, machin. T'es vraiment obligé de tout développer toi-même. Et ça va être la galère. Ça va être la galère de fou. Et en plus, comme dit Green Revenger derrière, IA va te tomber dessus, clairement. Là, ils vont te faire un joli petit procès à la Nintendo et va te faire foutre. Ou alors, si tu veux vraiment un bon truc, ils t'engagent. Mais ça, c'est cool. Non, je crois qu'il y en a que dans celui-là. Donc s'il y a que des dragons dans celui-là, je peux m'asseoir ici. Oui, je m'asseoir. Tiens, on va discuter un petit peu. Il y en a que dans celui-là, c'est un peu bizarre. Parce qu'au final, c'est quand même un monde fantastique qui est sans dragons jusque-là. Dur. Pensez que vous pourriez nous aider. Nourriture, matériel. Ce que je sais, c'est que dans le 4, il y a un travelot dedans. Quoi ? Les amis d'Advar sont je ferai de mon mieux. Un travelot dedans. Prenez ce que vous voulez. D'accord. Donc en fait, après, ça lance le truc. Raisonnable. Advar. Vous avez vraiment vu un dragon ? À quoi il ressemblait ? Il avait de grandes dents ? Allez, c'était bizarre, il y avait genre un bug, elle est... Pff, ta robe avait explosé.
comme chez vous. D'accord, bah je saute au-dessus de ta tête et je vais voir ce que t'as en bas. Je sais pas pourquoi je prends des peaux de loup. Parce que ça se vend très mal. Les dragons sont les premiers êtres vivants du monde. As the troll, c'est toujours bien. D'accord. Vous avez un joli visage, pour sûr. Je vous préviens, ne vous approchez pas d'Alvor, mon mari. Mais c'est toi que je veux serrer, connasse. Vous avez vraiment vu un dragon? Ok, bon, allez, on va sortir de là. Ils ont disparu il y a fort longtemps jusqu'à maintenant, d'accord. Je peux rien faire. Ah, par contre, je vais pouvoir utiliser. Si, bah si, je me sers bien mes peaux de loup pour faire du. Faire du cuir. Ouais, on va faire pas mal, je pense. Non, pas de. J'ai besoin de garder les peaux d'ours, voilà. Et après, on va faire des bandes de cuir. Non ! Oh putain. Oh puis, bon, j'aurai une peau d'ours en moi. En fait, Elder Scrolls 3 et 4 se passent avant Skyrim, mais aussi après la disparition des dragons à l'époque de Tiber Septime. Ouais, ça j'avais souvenir. Faudrait peut-être que je dorme. Ou alors, tout simplement, je vais rester le nez en l'air. On va faire le truc hyper logique de rester le nez en l'air. D'ailleurs, le calendrier de The Elder Scrolls, il est calé sur le nôtre, avec juste les noms des mois qui changent. Pour tous ceux qui jouent à mort à Skyrim, et qui connaissent tous ces recoins, ces petits secrets. J'ai dit non. Alors... Pas d'aventure, pas de mise en scène, et pas de chasse aux voleurs. Je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose, oui, on s'est fait voler. Voilà, c'est l'histoire de la griffe de dragon, de toute façon, faut que j'aille le faire, on va le faire maintenant. Je vais recevoir de l'or pour mon dernier chargement. Il est à vous si vous me rapportez cette griffe. Pour chasser ces voleurs, dirigez-vous vers le tertre des chutes d'eau. Alors, qu'est-ce que vous avez à vendre? Regardez donc. Alors là, c'est lui. À moi. Côté arme. Non, côté bidule. Ça se vend que dalle, mais de toute façon c'est pas grave, ça je vais le garder. Bon, des choux. J'en ai besoin, ça me prend un peu de place pour rien du tout. Ça faut garder, la carte au trésor, je vire. Non, j'ai rien à vendre. The Elder Scrolls 6, ouais. Des rumeurs disent que c'est pour le 3 2017 ou 2018, c'est encore loin. Il y a plein de trucs. Je crois que votre nouvelle assistante a besoin d'un guide. Que... Non... Je... Oh, parlez 8, très bien. Mais uniquement jusqu'aux limites de la ville. Les années telles qu'elles se déroulent sur Nîmes... Nirne, pardon. Nîmes. Sont très proches de celles de nos années terrestres. Une semaine égale ses jours, etc. D'accord, donc c'est pas du tout comme celle des Royaumes Oubliés où c'est par décades, c'est beaucoup plus compliqué même s'il y a les saisons. Et donc que les noms qui changent, d'accord. Juste derrière les bâtiments. Oui, je sais qu'il faut que j'aille là-bas. Si on tape dessus, il se passe quoi? C'est fou de se cacher là. Ces vieilles cryptes regorgent de pierres. Merde! C'est trop. C'est bon. Vous en avez eu assez. Putain, mais te mets pas dans mes haches quand je tape, connasse! Ouah. Riverwood. Elgen. Solitude, Whiterun, Willem. Windhelm, par carte. Tiens d'ailleurs, on va regarder un petit peu la carte, mais je vais vous dire les endroits où je suis allé pour l'instant dans le jeu. Non, casse-toi, enlève la destination personnalisée.
Comment je fais pour t'enlever, putain? Oui, voilà. Hop, je suis... J'ai fait ça, généralement je fais ça, je fais cette partie-là, je fais cette partie-là, je fais cette partie-là, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans le jeu actuellement sur ma grosse partie. D'ailleurs, je suis comme un con parce que... Je suis devenu un vampire, je sais pas comment m'en débarrasser parce que du coup je suis toujours à zéro en énergie et ça m'énerve beaucoup. Du coup je pense que je vais recommencer une partie gentiment. Oh que t'es mignon le petit renard! Oh que t'es moins mignon le petit loup! Pas grave, j'ai tué le renard aussi. Casse-toi, tu pues. Ah oui, moi j'ai des graphismes tellement pourris que je peux pas lire les panneaux. C'est ballot pour le coup. C'est ballot. J'ai entendu un bruit de ligne route. Je sais pas si c'est le. S'il y a vraiment de la ligne route ou si c'est juste. La petite musique d'ambiance. Alors, on va se faire ce petit camp de bandits comme d'hab. Non, deux fois que j'ai pu le faire ce truc. Mais je m'en lasse pas. Ça me permet de me réchauffer un petit peu avant de me lancer dans une vraie partie. Ah, trop court. Ah putain. Il s'est décalé à la dernière seconde. Nice. Ah, je suis détecté. Touché. Vu comment il s'est visé. Voilà. Bonne chose de faite. Ah, il y avait un grenat. Alors, si je me souviens bien, il y a encore des merdouilles à l'intérieur. Partir là-dessus. Ah oui, il y a un autre petit truc que je reproche à Skyrim, c'est le fait qu'il manque de... Il manque clairement de musique épique ou des trucs un peu moins genre juste du vent ou des petites musiques... qui n'en sont pas d'ailleurs. Parce que à part la musique de base, enfin la musique que tout le monde connaît, ben je trouve que c'est un peu pauvre, c'est un peu dommage. Oink. Allez, on descend. Je crois qu'il n'y a plus rien ici. On y va. Ah, filon. On peut faire le tour. Je suis tellement greedy. Ah, elfes noirs, c'est bien les elfes noirs. Je vais me soigner un petit coup. Ça fait monter mon level en guérison. Moi, je kiffe les elfes noirs depuis que j'ai découvert Driss Do'Urden, mais c'est pas le même univers. Driss Do'Urden. Le théâtre des chutes tourmentées. On va aller chercher notre premier cri. Le fosse. Merde, il était là-haut. Je suis pas encore détecté.
Ah, voilà, je suis détecté. La victoire au Sauvegarde. T'inquiète, ça va être Sauvegarde. Ah, Argonien barbare en ce moment. Oh, c'est bizarre. Ou Khajiit mage. Bon, Khajiit mage à la limite, pourquoi pas. Argonien barbare, ça me semble un peu plus bizarre. Je veux dire, je sais pas trop dans quoi je l'aimais, les Argoniens. Ah, j'ai dodge le truc. Dans l'eau, quoi? Dans l'eau, je comprends pas la vanne. J'ai pas compris la vanne. Je peux même pas le ban parce que pour le coup, pour moi, il y en a pas. C'est triste. Touché. Ah mais c'est pas toi que je voulais toucher. Oh putain, à demi PV quoi. Hop. Touché coulé. Les Argoniens dans l'eau. Oui, c'est quoi la blague? Je comprends pas pourquoi. Oui, les Argoniens, ça va dans l'eau. J'ai. Dans l'eau. J'ai pas compris, je cherche encore mais j'ai pas compris, je pense qu'il faudrait que je... faudrait que je remette le live, faudrait que je revoie la VOD pour comprendre le truc. Et les mecs qui demandent au ban. Green Revenger qui se fait complètement défoncer. Je sais pas, j'ai pas compris ta blague Green Revenger, donc je veux pas de ban mais il semblerait qu'elle était vraiment nulle. C'est vrai que les blagues nulles sont passibles de ban. C'est pas très aiglo tout ça. Enfin, je dis ça mais je dois faire beaucoup de blagues nulles aussi donc... L'autoban ça marche pas très bien. Ah oui, c'est vrai qu'il va se faire buter. Ah, en gros, tu as dit où tu pouvais pas, où on pouvait mettre les Argoniens? Bah dans l'eau, putain. Non! Oh merde! Oh non! Oh non! Putain, sérieux, Red Revenger! Ah! Oh là là! Ah, j'ai envie de dire, ça colle le ban, ça colle vraiment le ban, c'est... Masse d'acier. Je meurs pour vos péchés. Ah putain, mais merde. Ah. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas ça que je voulais faire. Alors, serpent baleine. Voilà.
Oh, parchemin de bizarre. Là, les parchemins, ça fait partie des trucs comme les potions. Je les stocke à mort, j'en ai plein l'inventaire, je m'en sers jamais. Je suis tellement greedy, je suis le genre de mec à avoir 50 milliards d'exemplaires du même item au cas où et ne jamais se servir d'un seul exemplaire. Parce que, on sait jamais. Et oui, c'est pas logique hein, ce que j'ai dit, enfin... Je devrais les utiliser, mais je le fais jamais. Je suis trop débile. Marche de boule de feu. Alors, il y a le type. Et la grosse araignée qui pue. Le bien, c'est que c'est une givre-pierre qui est blessée. Elle fait super mal, elle est énorme, mais elle est blessée. Moi, c'est gemmes sur rituel. J'en ai plus de 100 ou 200, mais elles sont dans un coffre. Ah oui, mais les gemmes sur rituel, moi, je les utilise parce que je fais de l'enchantement pour monter le... pour pouvoir faire des doubles enchantements derrière. Et monter enchantement niveau 100, c'est super long. La mana. Voilà, et j'ai même pas monté de level de destruction. Triste. Alors, je vais recharger un petit peu ma mana, 2 secondes. Vous avez réussi. Vous l'avez tué. Tu es très moche. Non, libérez-moi avant qu'une autre créature arrive. Je suis une texture coincée dans une autre. Oui, la griffe. Je sais comment elle marche. La griffe, les marques, la porte dans la chambre aux histoires. Je sais comment disposer tout ça. Aidez-moi et je vous montrerai. Quand vous verrez toute la puissance que les Nordiques ont cachée ici, vous n'y croirez pas. J'ai pas compris ce que tu viens de faire. C'est-à-dire ? J'ai juste utilisé les flammes et je viens de... C'était juste que ça moulinait un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de régénération de mana, quoi. Donc je moulinais dans le vide. J'ai l'air de pouvoir bouger. Oui, c'est vrai que je dois d'abord le libérer. Elle se détend, je le sens. Voilà. Du coup, on arrive à la deuxième partie du donjon. La partie avec les drogues. Comment on prononce ça? Drogué, je suppose non. M'ont toujours fait flipper ces bestioles d'ailleurs. La bonne mythologie nordique. Appuyez sur le bouton. Drogue, tu le prononces comme s'il y avait un R à la fin, donc drogueur. Putain. Toujours plus! Aïe. Vais-je pouvoir finir avant de me faire buter? Oh là, ça me paraît tendu. Alors qu'est-ce que je fais? Je monte de level? Je peux manger un truc? Non, j'ai rien du tout pour bouffer. Bon bah je... Putain le con! Il se moque de moi en plus! Bon, ça va, c'est juste après. Ça spam le clic droit, mais ça met deux armes en main. Oui, je sais pas jouer. Mais j'ai jamais dit le contraire.
Je sais pas trop comment jouer les armes à deux mains. Ouais. Ok. On va avoir besoin d'un petit peu de santé, un petit peu de vigueur, je suis pas mal, un petit peu de magie, un petit peu de santé. Voilà. On est level 5 seulement. Et là, je sais pas où mettre les points. Dans ton cul. Ouais, non, pas ça. Ouais, c'est vrai que je sais pas du tout où mettre les points. Je suis parti en arme à une main, autant mettre des points dans les armes à une main. L'archerie, c'est jamais perdu. La fufu, c'est jamais perdu non plus, mais en même temps, je pourrais mettre d'autres trucs. Alors, j'ai cru comprendre que maintenant, on pouvait tout maxer. Que même si on monte le level... Enfin, si on maxe tout, on n'atteint pas le niveau 100, mais je crois qu'on peut en quelque sorte renouvoquer et recommencer tout début en gardant les points, et on peut recommencer à monter le niveau. Je crois que c'est possible maintenant. Ah, j'avais les oreilles bouchées. Armure légère, le dernier point. Reste un point. Aïe. Depuis le début, bah je savais pas. Pour moi, c'était un. C'est peut-être un très vieux patch, mais c'était un patch. Là! Couché. Alors là, on va faire un truc. Oh, je vais prendre ça. Réveillez-vous, messieurs les drogues. Drogueurs. Un peu ma destruction quand même aussi. Voilà. On clean deux zones. Petite auto-save, enfin petite sauvegarde. Ici il y avait encore des bestioles si je me souviens bien, oui. Bonjour. Eh oh, c'est parti pour taper. Cortlène mes couilles. Tu vas faire une pause. Je vais surtout arrêter. Dans une demi-heure, j'arrête le live. Ça finit plus tôt que d'habitude. Je suis désolé, mais là je dois aller ailleurs. Et ensuite, j'irai me coucher rapidement parce qu'en fait, je suis fatigué. Je suis hyper fatigué en ce moment, il me faut des vacances, parce qu'en fait les dernières vacances j'ai pas du tout réussi à me reposer. Entre le fait d'être malade et j'ai fait des grosses crises d'angoisse, c'était pas foufou. Et donc du coup j'arrive pas à m'en sortir actuellement et... Donc là je suis plutôt content de pouvoir relive, mais je vous assure je suis un peu en train de mourir sur ma chaise des fois. Donc voilà. Il me faut des vacances. Et des vacances si possible sans PC, sans tout comme ça, je pense que j'en ai encore pour 3-4 semaines. Je vais rentrer en train, je vais même pas prendre ma bagnole, je vais rentrer en train chez moi et je vais me prendre des bonnes pauses où je vais faire que bouquiner, me ressourcer, tranquillou. Aïe. Merci Green Avenger. Avec ces dernières semaines, ça a été plutôt compliqué. Ah. Oh, pouille.
J'avais complètement oublié cette histoire, putain. Les vacances en étant malade, ça me rappelle mon prof de maths qui a passé les vacances de Noël à l'hosto à cause d'une infection. Ouais, ben moi j'étais un petit peu malade, j'avais quoi, une gastro virale, un truc comme ça. Le problème c'est que ça m'a tapé dessus, je rentrais de vacances, j'étais dans la voiture, mais c'était moi qui conduisais, c'était ma quatrième heure de voiture. J'étais dans les bouchons aux alentours de Lyon et j'ai cumulé ça avec une grosse crise d'angoisse, genre les bonnes grosses qui te paralysent. Je vous assure, tout seul dans la bagnole en train de conduire, putain, merde, ça recommence. Ok, je vais arrêter d'en parler. Comment on peut faire ça sur le live? C'est-à-dire comment on peut faire ça quoi? Le truc qui rigole, c'est un mode qui se fout de ma gueule. A chaque fois que je rate une ouverture de coffre, et ben il se fout de ma gueule. Voilà, c'est un poteau qui m'a installé et je le déteste pour ça. Un drogueur forcené. Mais j'ai esquivé ton coup, trou du cul! Un coffre de level apprenti. Ah, voilà, on arrive au tertre. Alors, par contre, ça arrête pas de. Sortir. Deux secondes, je sors mon téléphone. Mais qu'est-ce qui se dit? Il est où mon téléphone? Ah, je roule dessus. Oups. Je roule dessus. Bon. Heureusement qu'il vaut pas très cher. Moi, je suis pas trop dans les smartphones. Juste checker ce qu'il dit, parce que ça fait bien ploum ploum dans mes oreilles, là. J'ai pas envie de faire CTRL-ALT. Sinon, ça risque de tout déconner. Bon, le temps que ça charge. Et ça parle de jeu de cartes à boire. Donc c'est pas très intéressant. Allez. Aïe. Coucou, c'est moi. Attends, hop. Voilà, j'ai enlevé la 4G, sinon je vais perdre tout mon forfait. Tu descends? Et tu descends. Non! Et l'autre clic. Quoi, crâne sociale? Ça veut dire quoi, crâne sociale? Apprends à parler! Sur Overwatch, les skins sont payants? Non, pas du tout, ils sont pas payants. Sauf si tu veux payer. C'est-à-dire que tout est gratuit. C'est un jeu qui est buy to play, tout est gratuit une fois que tu l'as acheté. Sauf que les skins, faut les farmer. Dans le sens où t'as des lootbox que tu peux acheter avec des vrais sous, mais c'est totalement optionnel parce qu'à chaque fois que tu montes un niveau, tu obtiens une lootbox. Et la lootbox, en fait, elle te loot des items aléatoires. Et quand t'as des doublons, en fait, ça te donne un système de... t'as des gold in-game, et avec ces gold, tu peux acheter des skins que t'as pas en doublant. En doublon, voilà. Donc tu peux farmer joyeusement les coffres. Alors, c'est quoi les symboles qu'il y a derrière? Ours, libellule et... bidule. Chouette. Alors... D'accord. Ok, et les niveaux se drop à... C'est quoi ce trou à un moment? Bah en fait, généralement, tu passes un level toutes les... Allez, 1h20 de jeu.
1h20, 1h. À peu près. Et les niveaux sont infinis. Sachant que tu vois, moi ça fait un an que j'y joue, je suis level 270. Presque un an que j'y joue, parce que ça fait pas un an qu'il est sorti. Le petit boss. Petit F5. Mode puissance a pris. Force, déferlement. Pousse. Un despote despotique. Aïe. Despote despotique despoté. Ça veut rien dire. Voilà, la paire de dragons, je récupère l'arme parce qu'elle est enchantée, ça fait toujours plaisir, une arme enchantée, même ça sert à rien avec c'est une deux mains pour moi. Espadon, une main ou deux mains? Parce que pour moi, un espadon, c'est... Il a deux mains. En plus, c'est des dégâts de deux mains, non? Même si c'est... Ah, c'est orc. Deux mains, ok, d'accord. C'est un peu lourd. J'aime pas. Et chansons des Fatal Picard. Ah, j'adore me faire ça et me coller sur le truc, ça me tire vers le haut. Ah bah non. N'oublie pas les deux coffres. Deux coffres ? Et deux coffres ? Un. Deuxième coffre ? Ah putain, il y a un deuxième coffre ! Allez, Fatal Picard, c'est un groupe de musique. Oh cool ! J'aime beaucoup ce qu'ils font. Un groupe de musique français un petit peu... Un petit peu provocateur. Il y en a encore un autre. Comment ça, il y en a encore un autre? Alors déjà que je connaissais pas celui-là. Il y en a encore un autre. La base de la chute. À droite du mot de puissance. Gauche. Quoi? Quoi? Ah, attends, parce que... Le mot de puissance, il était là. Lui, je l'ai fait. J'ai fait celui qui est derrière. Il y en a un autre? J'ai fait celui-là. Il y en a un là. Ok. Il y avait que de la merde dedans. D'accord. Putain, mais je ne connaissais pas ça, tiens. Ça, c'est l'autre chose qui me tue dans Skyrim, c'est le fait qu'il y a toujours une sortie qui revient exactement au début de... Enfin, ou presque au début de là où tu venais. Trop drôle. Alors là, le jeu, c'est tout prendre, sauf le crâne. Voilà. Les amis du Jarl d'Epervine de... Ça passe trop vite, je suis sur PC. Le bon cimetière de mammouth. Oh, les aurores. Attendez, hop. Hey, magnifique. Alors, je sais pas si c'est Skyrim in Colors qui fait le fait que ça soit vert et rouge comme ça, mais c'est magnifique. C'est un truc que j'ai loupé la dernière fois que je suis allé dans les pays nordiques, parce que je suis allé en Islande il y a fort longtemps. Mais j'y suis allé en été, c'était magnifique, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas les aurores boréales. Forcément, il faisait que tout le temps jour. À côté du cercle polaire.
Du coup, il y avait très très peu de nuit, mais je dois avouer que c'est un spectacle qui manquait. Même si le soleil qui se lève à 6h du matin au-dessus des montagnes, avec les glaciers qui descendent et tout, c'était magnifique. Et là, c'est particulièrement joli aussi. Hein. Bon, certes, je suis très moche, moi, mais je trouve ça très très joli. Allez, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on descende. Ah putain, mais ça se reflète sur le lac et tout. Oh là 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 là. Je sais pas, à chaque fois que je joue à ce jeu, je le redécouvre. C'est trop drôle. Et je comprends vraiment les gens qui passent des milliers d'heures dessus. C'est vrai que c'est quand même... Bon, certes, il y a un petit peu de clipping visuel. Disco. Ah là là. Ah. Ah. Oh, et la lune. Et vu la taille de la lune, je dois pas avoir idée des les marées. Oh, putain de merde. Les marées dans ce jeu, je crois qu'il y en a pas, mais vous imaginez la lune qui est tellement collée là, c'est limite s'il doit y avoir si tu te mets bien dessous au moment où il y a où c'est, elle est le plus proche de la planète, si c'est pas une orbite, je suppose que c'est comme la plupart des orbites, elle doit être elliptique. Au moment où c'est le plus proche de la planète, je suis sûr que tu peux sauter, tu te retrouves dessus. Il y a deux lunes. Je sais pas où est la deuxième. On va retourner à Rivebois. Rivebois. Où est la deuxième lune? J'avais jamais fait gaffe, mais du coup, de n'en avoir une deuxième. Elle doit être cachée. Et c'est encore pire s'il y a deux lunes. S'il y a une petite... Ouais, non, peut-être que ça doit s'annuler au niveau gravitationnel. Enfin, je dis ça, mais je suis juste en train de faire des théories physiques sur comment fonctionne le monde de Skyrim. Plus tôt, vous trouverez la griffe. Ne laissez pas ma... Vous l'avez trouvée. Je vais remettre ceci à sa place. Vous nous avez rendu un fier service à ma sœur et moi. Je ne l'oublierai pas. T'inquiète. Moi, je vais vite l'oublier en te volant à la tire. Merci infiniment d'avoir donné une bonne leçon. Je vais juste prendre la thune. Le marché de Rivebois a retrouvé toute son activité. Des meules de fromage. Vous et moi, regardez donc. Qu'est-ce que t'as à vendre? Non, ça c'est mes trucs. De mon côté, de mon côté. Ça, je le dis, j'enchanterai. Faudrait que j'équipe des anneaux aussi. Je crois que j'en ai un seul équipé pour l'instant. D'une manière générale, je prends pas trop de merde. Du coup, bah ça va, je suis pas trop surchargé. Mais comme d'habitude, ce jeu, je finis par être chargé à mort comme un débile. Alors que j'ai toujours l'impression d'avoir que des trucs importants sur moi. Horrible, horrible. Non, je pense que c'est bon en plus. C'est vrai que les 29 minerais de fer, ils font pas zizir là. À la prochaine. Peut-être que je m'en débarrasse une fois que je serai arrivé à Blanche Rive. On peut déverrouiller sans que ce soit trop un problème? Je crois. Hein. Ouais, on va prendre la peau de chèvre. On va traîner un petit peu. Ça s'arrête pas de ploum-ploum là. Nya 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 nya. Pff, produc. Ah. Tu peux vaquer à tes occupations. Tellement de suspicion dans son regard. Je peux quand même arriver à avoir des pourcentages de vol. Oh. Non, ça me paraît un peu risqué tout ça. Il me regarde d'une manière un peu suspicieuse. On se casse.
On se capate. Il faut que j'aille jusqu'à Blanche Rive. Je vais essayer d'aller jusqu'à Blanche Rive avant la fin du live. Voilà pour quelques... Dans... Un caribou. Mais la griffe, voler la griffe, plus vraiment là. Ah oui, il faudrait que je fasse ça. Bon, je le ferai la prochaine fois, je ferai l'aller-retour. Avec le... Je le ferai pas en mode RP, je le ferai avec le... Le déplacement rapide. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, j'ai jamais pensé. Ces chutes d'eau, ça me donne toujours envie de vérifier s'il n'y a pas quelque chose de derrière. Même si je sais qu'il y a généralement que dalle. Je suis parti pour Blanche Rive, on fera ça la prochaine fois que je jouerai à ce jeu. Et je pense que ça va être un jeu un peu plus récurrent en live, parce que déjà il y a plus de monde, j'ai l'impression que ça intéresse plus de gens. Et en même temps, c'est plutôt fun. Ah, j'avais rarement vu une nuit aussi belle sur ce jeu. T'as pas l'âme d'un voleur, MDR. Je sais pas s'il faut le prendre comme un compliment, comme... comme une insulte. Le géant. Du coup, ça, c'est la suite de quête des compagnons. Je crois que c'est les loups-garous, les compagnons. Faudrait que je la fasse un jour. On la fera peut-être en live. Je vais vous tuer. Si vous combattez avec nous, vous aurez des tas d'histoires à raconter. Allez voir Yor. Si vous valez quelque chose au combat. Des pommes de terre. Masse pommes de terre. Yep, les loups-garous, c'est les compagnons. Ça c'est une horreur réelle avec cap arc-en-ciel. Tiens. Parce que c'est pas si loin en fait Blanche Rive. Ah. Ah oui, un truc. Prochaine Elder Scroll. Faites en sorte de rendre les batailles, s'il y a des batailles, un peu plus vivantes. J'ai mis un vent. Un vent à quoi? Voilà. Faire rendre les batailles un peu plus vivantes, parce que genre l'attaque de Blanche Rive, là, qu'on réalise à un moment, je crois, quand on est chez les Sombrages. Ah, et là, la chasseuse. Ah oui, mais j'ai pas envie de lui parler, hein. De toute façon, c'est les compagnons. L'attaque de Blanche Rive, ça faisait un peu attaque du pauvre, quoi. Il y avait 6-7 Pékin. Halt! La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. On va... Bien. Mais on garde un œil sur vous. Tintin, éloquence! Je suis un orc qui dit ça et puis ça marche. Je peux rentrer? Oui, je peux rentrer. Bien! Nous sommes à Blanche Rive. Eh ben, on aura fait pas mal de trucs dans ce petit live. Désolé, encore une fois, de pas le prolonger plus que ça. Mais j'ai quelques petits impératifs à faire. Type sociaux. Hop, on va sauvegarder. Je vais double sauvegarder parce qu'on ne sait jamais. Hein. Venir au bureau. Nice. Voilà. Boire un verre au bar. Presque ça, c'est boire un verre chez une coloc. Après, je vais vite me rentrer me coucher. Voilà. Bon, bah, c'était plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé. Il y avait plus de monde que d'habitude. C'était plutôt sympa. Et c'est finalement assez fun à faire en live. Je pense qu'on va... On va continuer un petit peu dessus sur les prochaines semaines. Si j'ai beaucoup de temps la semaine prochaine, peut-être que je ferai un live en milieu de semaine, je sais pas. On va bien voir. Moi j'espère que ça vous aura plu. Je trouvais ça sympa. Je trouvais ça particulièrement sympa. Qu'est-ce que ça se dit? C'est vrai que c'était à Saint-Patrick il y a pas longtemps. Je suis pas allé voir un verre au bar. Live super sympa, surtout l'ambiance. Ouais, j'avoue que c'était différent d'habitude, j'ai bien aimé. C'était cosy, il y avait des gens qui parlaient, c'était tranquillou.
Alors, ça fait des sondages pour savoir qui vomit ce soir sur la convoi. Bonne nuit, MC Maximum. Et puis, je vous dis bonne nuit à tous. Allez, salut tout le monde et à une prochaine fois. Ciao, ciao, ciao. C'est vrai que j'ai toujours pas fait de fin de live, putain de merde. Sauf pour les vannes pourries. Allez, bonne nuit à tous.